Mario Dante. En roulant bien le R et en faisant bien entendre le E final. Mario Dante de Georg Friedrich Händel est un exemple à peu près parfait d'opéra seria. Qu'est-ce que l'opéra seria, me direz-vous? Eh bien, c'est la forme théâtrale qui domine les scènes européennes pendant tout le XVIIIe siècle. Une forme en italien sérieuse, comme son nom l'indique, c'est-à-dire tragique, ou du moins héroïque. Les livrets d'opéra seria mettent en scène les grandes figures de l'histoire antique ou médiévale, comme Jules César, Richard Cœur de Lion et Tutti Quanti, ou encore les héros des plus célèbres romans de la Renaissance. Le sujet d'Ario Dante est justement tiré d'un best-seller chevaleresque du XVIe siècle, Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, connu en français sous le nom de Roland Furieux. C'est un roman à tiroir, c'est-à-dire qu'il est farci de nombreuses histoires enchâssées les unes dans les autres. Celle d'Ario Dante, par exemple, n'a qu'un rapport lointain avec le Roland du titre, chevalier qui devient fou d'amour pour la belle Angélique. Ici, il est question d'un autre chevalier dénommé Ario Dante, qui est fiancé à la fille du roi d'Écosse, Ginevra. Mais cette idylle est bientôt perturbée par l'imagination du fourbe Polinesso, lui aussi amoureux de la princesse. Et voilà que les événements se précipitent. On alterne entre menaces, secrets d'alcôve, tentatives de suicide et tournois chevaleresques. Je vous rassure, l'histoire finit bien. Car c'est obligatoire, dans tous les opéras seria, ils doivent se terminer par une fin heureuse, lieto fine. Et ceci n'est que l'un des nombreux codes du genre seria, qui est bourré de conventions et de règles très respectées par les librettistes et compositeurs. Par exemple, les trois actes d'un opéra seria se composent presque exclusivement d'airs solistes dans lesquels les personnages expriment chaque fois un sentiment. Joie, tristesse, colère, etc., etc. Ces airs, qui figent l'action sur l'expression d'un affect, sont reliés entre eux par des récitatifs, c'est-à-dire une forme de chant qui se rapproche de la voix parlée par son débit et ses inflexions, et qui n'est soutenue que par de simples accords de clavecin, ce qui permet de faire avancer l'action. Les airs eux-mêmes sont presque tous construits sur le même modèle. Première partie, puis deuxième partie parfois contrastante, puis répétition de la première partie. Mais dans cette répétition, le chanteur peut ajouter des ornements pour montrer son imagination et sa virtuosité. Car l'opéra seria consacre le règne des chanteurs. C'est l'époque où apparaissent les premières stars de l'opéra, demandées dans toute l'Europe. Et parmi elles, plus spécialement, les castrats. Ces hommes qui ont été castrés avant la puberté afin de conserver une voix cristalline et aiguë qu'ils ont pliée aux exigences virtuoses du bel canto à force de nombreuses années d'études. Vous allez me demander à qui l'on confie leurs airs maintenant que les castrats n'existent plus. Eh bien, il y a deux solutions. Soit recourir à un contre-ténor, c'est-à-dire un homme qui a travaillé sa voix de falset, soit confier le rôle à une femme travestie. Ario Dante a justement été écrit par Händel pour un des plus grands castrats de son temps, Giovanni Carestini. Händel avait fait appel à cette superstar pour écraser une troupe concurrente. Nous sommes alors en 1735, à Londres, où Händel a importé l'opéra seria italien depuis plus de 20 ans. Et où il doit désormais rivaliser avec une nouvelle troupe, qui, elle, a pour vedette le fameux castrat Farinelli. C'est un peu comme les transferts dans les équipes de foot. Ne regardant pas à la dépense, Händel ajoute encore des ballets de style français dans Ario Dante, pratique très inhabituelle dans l'opéra seria italien. Et surtout, il donne le meilleur de son inspiration dans la partition. C'est qu'il s'agit d'écrabouiller la troupe rivale. Il faut croire qu'il a réussi son coup, le père Händel,
car de nos jours, on joue encore régulièrement ce chef-d'œuvre qu'est Ariodante, tandis que les opéras créés par la troupe rivale sont tombés dans les oubliettes de l'histoire. D'ailleurs, conseil d'amis, si vous voulez entendre tout ce qu'un compositeur imaginatif peut faire dans la forme seria si contraignante, eh bien, je vous conseille de commencer par Ariodante. C'est une histoire simple, belle, forte, riche en émotions, égorgée d'une musique absolument magnifique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Bonsoir.